irréparable. Ciel, le roi est mort. Ça commence pas bien. Oh, je sais pas. Ne mettez que quatre couverts, s'il vous plaît. Mon mari est mort. Viens là. Viviane. Mon Sylvette, remettez-vous, ça n'est pas si grave. Comment ça, pas si grave? Mais non, mais si, enfin je veux dire... Il veut dire qu'on n'y changera plus rien maintenant, voilà. Mais pourquoi, comment, quand, où? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à l'heure, je rentre dans la bibliothèque du salon. La grande, vous savez, pas la petite, hein, non, celle où il y a les BD qui font rigoler. Alors, je tombe sur Sa Majesté, un revolver à la main. Pas celui qui a la crosse en argent avec des incrustations. Hein. Non, 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 le gros noir, là, celui qui a l'air méchant. Oui, il est méchant, il est comme ça. Alors, tu vois qu'il me fait Geoffroy, vous tombez bien. Il me fait... Oui, c'est parce que je m'appelle Geoffroy. Oui, j'allais justement en finir avec la vie et ça me barbait d'écrire un mot d'explication. Ah non, vraiment tu tombes bien. Oui. Vraiment, tu tombes bien. Et alors, tu vois qu'il me dit je n'ai jamais été très heureux et le métier de roi est trop difficile. Non, ce royaume n'est pas un cadeau que je laisse à ma fille. Oui, bon, et alors? Et bon, avant j'ai pu ouvrir ma bouche, il s'était tiré une balle dans la tête. Mais que ça m'a réveillé. Oui, il dormait sur un des rayons de la bibliothèque. Hey, je suis dégringolé, j'ai encore mal là. Oui, bon, ça va, tandis inutile de te déshabiller. Pourquoi? On est bouffons, on ne l'est pas. Hein. Pourquoi vous dites ça? Il va falloir prévenir Amandine. Pourquoi? Pour lui dire que son père est mort, Andouille. Une fois que tu t'es fait mal au derrière. Faut pas lui dire les deux. Ça va lui gâcher ses vacances. Ah, les miennes aussi. Ça va lui gâcher la vie, surtout. D'après la loi, elle est en âge de régner. Oui. Et son royaume ne... Ah! J'ai pas même soupiré, hein. Qu'importe. Non, mais je sais bien que ce n'est pas vrai. Oh, je ne vais tout de même pas montrer ma peine. De toute façon, c'est toi que le roi préférait. Le peuple le sait. Bon, je ne t'en veux pas, hein. À lui non plus, d'ailleurs. Je ne vais pas me mettre à pleurnicher comme une bécasse. Une reine veuve et trompée ne pleurniche pas. Lucien est mort.
Amandine, on peut nous appeler Amandine. Dois-je me retirer? Oui. Non. Oh. Bon, ben, moi, je m'en vais, hein. Mais non, mais si, allez.
Vraiment n'importe quoi. C'est rigolo. Bon, tout le monde reste et m'appelle Amandine, ok? Ok, ok. Bon, allons-y, patate. Si, patatons, je vous dis. Yerk, yerk, yerk. Crotte, crotte, crotte. Oh, Geoffroy, calmez-vous, mon ami. Oui, oui, oui. Ouh. Étrange pays, hein, étrange. Peuple, le bruit court que tu es malheureux. Qu'est-ce qui ne va pas? Aucun problème, j'ai la solution. Nous n'avons qu'à accorder une semaine de vacances supplémentaires aux travailleurs et n'augmenter les impôts que de 8% au lieu de 10% comme d'habitude. Et ben voilà qui est très très généreux. Oh, quel bon conseiller vous êtes. Non. Mais les vacances sont terminées. Eh ben justement, voyons Amandine. Oui, comme ça, on n'en rediscutera pas avant l'année prochaine. Oui. Alors que les impôts, c'est tout de suite. Qu'est-ce que c'est les impôts? Oh, oh. Qu'est-ce que c'est les impôts? C'est rigolo, ça qui traîne. Les impôts, c'est l'argent que le peuple donne à l'État, Amandine. C'est-à-dire à nous. À moi? Non, à nous. Pour nous payer du mal que nous nous donnons à gouverner. D'où sortit cet argent, le peuple? Il le gagne en travaillant. Qui les fait? Les patrons. Et d'où sortit cet argent, les patrons? Ils vendent le travail du peuple. Qui achète le travail du peuple? Nous, d'abord. Avec quel argent? Avec l'argent que nous a donné le peuple. Moi, je n'achète pas grand-chose. Qui d'autre achète le travail du peuple? Le peuple, je parie. Avec quel argent? Celui qui lui reste quand il a payé ses impôts. Mais comme il n'en a plus, il faut qu'il travaille dur pour en gagner à nouveau. Je ne comprends rien. Tu m'étonnes? Si, je comprends. Mais ça ne devrait pas marcher du tout, ce système. Ça ne marche pas. À la fin, alors, je devrais avoir tout l'argent. Enfin, nous. C'est la fin. Vous avez tout et nous, on n'a plus rien du tout. Il y en a bien quelques-unes qui doivent cacher des pièces d'or dans leurs chaussettes, hein. On n'a plus de chaussettes. Menteuse. Moi, j'en ai des belles, des chaussettes. Non, le problème vient de ce que la seule usine ici, c'est la fabrique de vélos. Et comme tout le monde a son vélo maintenant, plus personne n'en achète. Oui, moi-même j'en ai trois, pourtant je préfère des rollers. Oui, les patrons ont bien essayé de leur en faire fabriquer des moins solides qui cassent tout le temps, mais le peuple sait les réparer, c'est lui qui les fabrique. Et dans les autres pays, ils ne veulent pas nous en acheter. Ben oui, ils sont pas assez solides, ils cassent tout le temps. Alors il y a un problème. Oui. Le problème du sucre. Oui, parce que quand on fait beaucoup de vélo, il faut manger beaucoup de sucre. Et comme le sucre est la seule chose qu'on ne trouve pas en Autarcie, on est obligé de l'acheter à l'étranger. Avec quel argent? Cocorico! Ah, la rigolote, la petite reine! Avec notre argent, celui des impôts. Et nous revendons le sucre au peuple plus cher. Trop cher! Mais c'est dégueulasse! Oh! Amandine, voyons, retire ce gros mot. Oui, maman. Mais il n'y en a pas d'autres. Ah, elle est vraiment rigolote. Oui, c'est dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Ouais, vous oubliez la sécu, les allocs, la retraite, que sais-je, tout cet argent qu'on vous donne gratuitement. Nous sommes Ursaf, Cancras, c'est Carbalas, et dégueulasse, oui. La sécu, mon cul, faut cotiser toute sa vie pour y avoir droit. Et si on n'est jamais malade, on ne nous rend jamais l'argent. Les enfants, ça coûte plus cher que les allocs. Et puis, il faut leur acheter des vélos. Et quand on fait du vélo, il faut manger du sucre. La retraite, c'est pareil. On cotise quand on est jeune. On la touche quand on est vieux. Moi, je préfère économiser pour quand je serai vieille. Hein, on sait jamais. Des fois qu'on voudrait jeune. Fatigué. Misérable. Ordure. Majesté, Amandine, suivez mon conseil, il est bon. La preuve, je suis conseiller. Vos conseils sont idiots, et mon père en est mort, alors zut. Et bon ! Amandine, tu ne vas pas détruire en un jour ce que ton père a mis si longtemps à construire. Nous avons un bon château. Nous mangeons du
bien, nous sommes bien habillés. Ton père était un grand roi. Silence ! Mon père était roi. Maintenant, je suis reine. Et repens ! Allons ! Allons ! Allons ! Allons ! Vous dites que la seule chose qu'on trouve pas en autarcie, c'est le sucre. C'est le sucre, la seule chose, oui. Vous dites aussi qu'on fabrique trop de vélos pour rien. Des vélos, il y en a trop. Cocorico ! La solution s'impose. Échangeons notre stock de vélos contre du sucre. Oui, 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 oui ! Et fermons l'usine jusqu'à ce qu'on ait à nouveau besoin de sucre. Après, on verra. Quoi ? Comment retrouvons le travail ? Comment nourrir mes enfants ? Comment payer mon loyer ? Comment, quoi ? Hein ? Alors ça, j'en regrette pas d'être venu. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oh, ce que c'est voir, tu vas voir. Je vais m'asseoir. Silence, mille sabords. Mille sabords ? C'est pas dans Tintin ? Quoi, Tintin ? Je vois pas de problème. Ah, si elle le voit pas, elle le voit pas. Bah pourtant, il y en a un, même deux, même trois, même quatre. Stop ! Puisqu'il y a tout en autarcie, on a qu'à prendre ce dont on a besoin. À qui ? Où ? Quand ? Comment ? J'avais dit qu'elle était trop jeune. Non, vous l'aviez pas dit. Bah, ceux contre légumes échangent avec ceux contre viande, et ainsi de suite. Et l'argent, qu'est-ce qu'on en fait ? Des confitures. Tiens donc. Eh ben, je croyais que vous n'en aviez plus. Vous n'avez qu'à me le donner, je suis gentil, non ? Des clous ! Poil aux genoux. C'est les patrons qui vont être contents. Ceux qui ne seront pas contents pourront aller vivre ailleurs. Il y a de la place dans le monde. Tiens, bah, l'argent, il pourra servir à visiter les autres pays ? Non. Restons chez nous. 3, 4. L'Autarcie est un bon pays. La rivière est si jolie. À quoi bon s'en aller d'ici ? L'Autarcie est un bon pays. Youpi ! Je proteste ! Merci, princesse Amandine ! Si vous avez besoin de quelque chose, demandez au château. Il y a un tel bazar ici, donc on ne se sert pas de nourriture qu'on jette, de vêtements qu'on ne met jamais. Merci, princesse Amandine. Oh, alors là, il n'est pas question que je donne une seule de mes robes. Allez, pour moi non plus. Mais maman, quand quelque chose te prend vie, il faudra bien que tu donnes quelque chose en échange. C'est pas grave. C'est grave. Avec un peu de chance, on t'en fera même cadeau. Un cadeau du peuple. Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Tagalagala. Il suffisait de supprimer les causes du problème. Et quand tu as plusieurs solutions, ils hésitent.
blanc. J'hésite. Je suis la princesse indécise. Je me balance au gré du vent. Je ne puis trancher à ma guise quand deux idées me plaisent autant. Elle ne peut trancher à sa guise quand deux idées lui plaisent autant. Si tu me dis, moi je dis, toi. Ou moi. Tu me dis, lui je dis, lui. Pas lui. Et si tu me dis, lui ou moi, j'hésite. Je suis la princesse indécise. J'ai peur de perdre un bon moment. Mon indécision se précise quand deux garçons me plaisent tant. Son indécision se précise quand deux garçons lui plaisent tant. Eh ben, on n'a qu'à la porter chacun notre tour sur le porte-bagages, le temps d'une petite promenade pour qu'elle nous connaisse mieux. Tout ça, eh ben, elle connaîtra surtout mieux le porte-bagages. Qui c'est qui commence ? Bah, et moi ? Pourquoi ? C'est moi qui ai eu l'idée. Non, pas d'accord, on t'y ressort. T'as vu, je fais du vert. Ouais, on le saura, pas de rat. Hé, gurgurgur. Hé, pas sorcier, vous déviez. Stop ! J'ai trouvé. Crotte de nez. Vous voyez la forêt là-bas? La forêt, c'est cela, oui. Oui, bien sûr. Ah ben, mais oui. Ben oui, mais bien sûr qu'on la voit. Ah, ouais, ouais. Et là, oui, on la voit, la forêt. Ah, ouais, bah, oui. Vous voyez qu'elle est remplie de fleurs et de petits oiseaux. Oh, oui, regarde, une petite fleur avec des clochettes. Ah ouais, puis une autre, c'est ça, une petite fleur qui rigole. Voilà. Hein, et il y a des petits oiseaux aussi. Des petites fleurs vertes, là. Oui, il y a des petits oiseaux aussi. Est-ce que c'est une vieille
pommes de terre pourries? Non. Ah non. Je sais. Non, j'ai un truc qui est dans mon frigo, c'est un vieux camembert qui coule et qui pue. Non, non, c'est pas ça. C'est pas une petite fleur, moi. Qu'est-ce que c'est, une petite fleur? Oui, c'est une petite fleur, c'est une bonne réponse. Est-ce que c'est une petite fleur qui a des cheveux? Oui. Est-ce que c'est une petite fleur qui a des yeux? Oui. Est-ce que c'est une petite fleur qui a des oreilles? Oui. Ouais, ben, je suis sûr qu'elle a des dents aussi. Hein. Est-ce qu'elle a des dents? Oui. Merci. Est-ce que c'est une petite fleur qui est plutôt par là, dans la forêt? Oui. Est-ce que c'est une petite fleur qui a des lunettes? Non. C'est à moi, t'as perdu. Est-ce que alors, c'est une petite fleur qui habite par là, hein? Dans la forêt? Oui. Ouais, tu dis, faut pas te chicaner. Moi, je suis sûr que c'est une petite fleur. Est-ce qu'elle a des baskets, des chaussures jaunes? Non. Non, elle a pas de chaussures jaunes? Est-ce que c'est une petite fleur qui habiterait plutôt dans la montagne, là-haut, là où il y a des arbres? Oui. Est-ce que elle est à côté de sa maman? Oui. C'est pas toi des fois? Si. Ouais, j'ai gagné. Comment tu t'appelles? Zalia, merci, j'ai gagné. Youpi, merci, j'ai gagné, je suis le plus fort, le plus beau, je suis intelligent. Oui, ça va. Comme ça, oui, ça j'ai va. Une tête grosse comme ça. Je suis des nôtres, j'ai lu dans son beurre comme les autres. J'ai gagné. Allez, bon, bah, allez-y, hein. Ben oui, on y va. Bien sûr qu'on y va. Bah, on va où déjà? Oh, l'idiot, il se rappelle même plus ce qu'il a gagné. Ben oui, mais j'ai gagné. C'est moi qui a gagné. Ouais, t'as gagné. J'ai gagné. Et ben, pour la peine, je vais commencer par faire un tour sur le porte-bagages du perdant. C'est moi qui t'ai appris. T'avais bien écouté. Tu prends un grand couteau bien tranchant, tu coupes tes choux en deux,
Et dans une marmite, tu feras venir un peu de beurre, des oignons. Suffit! J'ai un plan. Écoutez-moi. Oui, madame, oui. Elle a un plan, les bouts. Il faudrait qu'Amandine disparaisse pendant un mois. D'ici là, je serai régente, et quand elle reviendra, j'aurai refait les lois. Oh, oh, bravo, ravi. Mais comment faire disparaître la petite? Elle ne voudra jamais s'éloigner. Et qui parle de l'éloigner? Il faut l'enlever. Comment ça, l'enlever d'ici? L'enlever, idiot, pas l'ôter. Non, pas idiot, bouffon. L'enlever, bouffon, pas l'ôter. Ah, l'enlever, l'enlever, la ligoter, la baïonner, la ficeler dans un gros sac de pommes de terre, l'acheter dans un vieux cachot tout pourri, lui taper dessus avec un bâton. Pauvre Amandine. Mais voyons, Tanguy, je suis sa mère. Ah bon? Et sans pousser la dramatisation jusqu'à l'extrême, nous pourrions l'emmener dans une tour où personne ne va jamais, l'enfermer discrètement un moment, bien nourrie avec ses bouquins, sa télé et même un petit chien si elle veut. Elle va s'ennuyer, c'est sûr. On n'a jamais rien fait d'autre de ses journées. Mais pourquoi ne pas organiser une petite réunion pour lui faire entendre raison? Mais elle a tellement bon cœur, elle comprendrait nos soucis. Oh, nos soucis ne font pleurer personne. Et puis enfin, vous l'avez vu, elle ne changera jamais d'avis. C'est curieux, hein? Elle ne fait jamais ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle ne veut pas. Je vais vous parler d'un secret que je suis le seul à connaître. Le passage secret. Eh ben, j'y pensais, justement. Quoi? Vous le connaissez aussi? Oh, évidemment. Comment vous croyez que je revoyais leur voix en cachette au début de notre histoire? Si nous parlions d'autre chose. Mais voilà votre passage secret. Eh bien, puisque tout le monde est au courant, occupez-vous de la faire rentrer là-dedans, et moi, je vais préparer la tonnelle. N'oubliez pas l'opticien. Ah, tenez, à propos, j'en connais un gros. Il pue un peu, c'est vrai. Mais je pense que... Enfin seul. Ah, Sylvette, Sylvette, va Sylvette. Depuis que je vous ai vu, mon cœur, mon sang, mon âme... Mais Tanguy, Tanguy, non, mais... Eh bien, je pense qu'on a un ouah. Mais pourquoi vous ne voulez pas m'aimer? Vous aimiez bien le roi. Ça n'a rien à voir. Ah, du roi ou du bouffon qui est maître. Mais on aime une personne à un rang. Je suis plus grand que lui. Je suis plus jeune que lui. C'est vrai. C'est pas ça. Je suis plus grand que lui. Oh bah ça c'est pas difficile. Je suis plus rigolo que lui. Oh mais il avait des soucis. Je suis plus vivant que lui. Oh, Tanguy, quel manque de tact. Oh. Et je vous aime. Ah bah je l'aimais. Je vous aime, je dis. Laisse-moi. Je vous aime depuis tout petit. Ça t'a fait longtemps, alors. Oui. Bon. Qu'est-ce qu'on fait, alors? Bah, on prépare un piège pour la petite. Demandez. Tu m'en veux? Oh, ça va, ça va. Alors, tu sais, j'aime bien Amandine. Alors, on pourrait peut-être s'arranger avec elle et lui proposer, par exemple, de la délivrer. Si elle laisse, Geoffroy et Viviane gouvernent. Oh, moi, de toute façon, j'ai rien gagné ni à perdre. Bon, alors, je vais aller aider Viviane. Hein. Toi, tu restes ici, tu attends Amandine. Dès qu'elle arrive, tu lui racontes une histoire fantastique. Et dès que tu peux, tu t'arranges pour la faire rentrer là-dedans. Oh, ce sera pas difficile, elle est tellement curieuse. Et coucou, tu fermes derrière elle. Ça peut vous faire plaisir. Mais c'est nécessaire. Tu sais, quand je serai malheureuse, sans bijoux, sans robe du soir, sans caviar, sans foie gras. J'ai entendu du bruit. C'est pas possible. Mais ça, évidemment qu'on va supprimer l'école. Il n'y a pas de raison que les enfants soient les seuls à travailler. Mais alors, il n'y aura plus d'ignorants. Des âmes bantées, comme on dit dans la comtesse de Ségur. Tout le monde
monde finira bien par savoir lire et écrire, c'est pas dur. Il n'y a pas que lire et écrire, Amandine. Il y a tout. Ben oui. Hein, il y a tout. Ben, miam miam, non, les maths. Les maths. Vous n'aimez pas les maths, les calculs et tout? Non, c'est bien. Ah, si, ben non, ben alors. Si, c'est bien. Ouais, ben c'est bien, mais. Bah toi tu viendras aussi. Moi je fais l'anglais alors que bon tous les petits parce que c'est l'anglais mais c'est bien hein, miam miam et c'est bien l'anglais miam miam et le français la dictée et tout c'est pas bien canon miam miam faut travailler moi j'en mange tout le temps du français moi la biologie hein les petites bah si les petites fleurs les oiseaux la nature tout ça les saisons tout ça les grenouilles les oiseaux les petits arbres puis il y a la géo aussi. Non. La géo, ça s'apprend lisant et en voyageant, pas à l'école. D'accord. La physique. Ah, 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 La physique peur. Tu vois, les gens n'apprennent que ce qu'ils ont envie de savoir. Ouais. Et j'ai une idée. On laissera les écoles ouvertes et les profs mettront des affiches. Aujourd'hui à telle heure, ceux qui veulent tout savoir sur tel ou tel truc peuvent venir me poser des questions. Ah ouais, c'est bien. Et pour les maths qui viennent me voir, je suis imbattable. En cuisine aussi. Chez nous, il n'y a que des patates. Je connais 174 recettes rien qu'avec des patates. Ouais, tu mets des saucisses dans tes patates? Ça dépend de la recette. Ouais, ben mets des saucisses dans tes patates, crois-moi, tu ne le regretteras pas. Voilà. Il est fou, quoi. Il aime les saucisses. Et ben voilà, Raoul, t'auras qu'à donner des cours de saucisses. Vous moquez de moi, c'est ça? Ouais. Ouais, et ben salut, voilà. Raoul. Raoul, reviens. Reviens Raoul, me laisse pas tout seul avec la fille. Hé, me laissez pas toute seule avec moi-même. Hé. Tiens, c'est marrant. C'est marrant. J'ai vu le mur bouger. Elle est saoule. elle a bu trop de chouirac, c'est ça. Le chouirac, c'est pas de l'alcool et j'ai vu le mur bouger. Merde. Ouais, dis donc, on reste poli. Bon, où est-ce que ça bouge-t-il? Par ici, j'ai pas bien vu. Essayons. Ouais. Elle a dit, si vous voir, si vous voir, ces deux trous.
Non, par là. On va savoir, hein, t'en dis. Non, mais, dis con. La princesse a disparu. Oh, 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 oh. La princesse a disparu. Oh, 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 oh. La princesse a disparu. Oh, 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 oh. La princesse a disparu. Oh, 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 oh. Amandine a disparu. Oh, disparu, c'est pas possible. Si, 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 si. C'est affreux, il faut la trouver. On a essayé partout, partout. Il faut nommer un gouvernement provisoire. À quoi bon? Comment ça, à quoi bon? C'est ce qu'on fait dans ces cas-là. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour sauver son pays, tiens. Vous savez que... il y a la guerre. Non! Il y a la guerre! Oui! Aux armes! Dans 2 heures, les ennemis seront aux frontières! Et qu'est-ce que je dis dans 2 heures? Ils y sont déjà, puisque ce sont nos voisins! Non! Si! Ce sont nos voisins? Oui! Au travail! Peuple, il faut retourner aux usines! À quoi bon? Oh, peuple, ne dis pas à quoi bon! Relève la tête! Vous croyez? J'en suis sûr. J'en suis plus que sûr, tiens. J'en suis... intimement persuadé. Merci, Bouffon. Va, peuple souverain de Tarsie. Allons, relevons la tête. Ah, mon grand, mon beau conseiller. Ah, madame, vous me gênez. Oh, Amandine a disparu. Mais moi, collègue, je ne suis pas sourd. Ça sent le roussi, ça sent le roussi, ça sent le roussi. Eh, ça sent le. Ça sent le roussi. Eh, ça sent le. Eh, autant, ça sent le roussi. Eh, ça sent le. Bon, pourquoi arrête-t-il la guerre? Les seuls pays voisins, c'est nous. Très juste, Auguste. Oh, toi aussi, tu fais des vers. Ah oui, ça m'arrive, Jean-Yves. Tu te souviens de son histoire de mur qui bougeait? Bien sûr, Arthur! C'est là que tout démarre. Ben, comme c'est bizarre, mon canard. Bon, arrête! Canard, j'aime bien, ouais. Si ça se trouve, il bougeait ce mur. Et c'était pas un mur, mais une porte dérobée. Dérobée? Ben, je vais te dire. Ben, regardez! Écoute, ça sonne creux. Ils ont enlevé Amandine, voilà l'histoire. C'est clair, ben oui! Albert, nous devons la délivrer! D'accord! Igor, arrête ou je te tue! Tu hurles, tu tues! Tu sens, il y a des petits rats.
On va faire Amandine là-haut. Bah tu sais, je suis pas aveugle, hein. Ah bah ouais, tant mieux. Tant mieux, ouais, j'aurais des problèmes sinon. Je devrais porter des lunettes. Bon, il faut trouver une ruse pour s'introduire dans la prison. Ouais, pour ouvrir la porte. D'accord, moi je m'introduis, toi tout. Et pourquoi moi? Parce que c'est moi qui ai l'idée. Tiens, prends ma veste, bouge pas. Quitte le bus, tu vas voir la ruse. Hé, poil aux dents, sois prudent. Ils sont là. Oh. J'ai tout essayé. Cette petite fille est vraiment... Ah oui, hein, très mal élevé, hein, pompo cucu à ses parents. Hein. Ah, silence, bouffon, la situation est grave. Pompo cucu. Je ne vais tout de même pas continuer à emprisonner ma propre fille. Oh, un petit mois, c'est pas si long. Je voudrais vous y voir, vous. Oh, bah merci, sympa. Même ma méthode a échoué, et pourtant elle était bonne. Ah, elle était bonne, tu parles? Elle a échoué. Ne nous laissons pas abattre. Hein. Préparons votre couronnement, la petite fille, ou bien vite. Non, je suis pas énervant. Ah si, non.
Ah si. Non. Ah si. Non. Si. Non. Si. Non. Bon, et comment t'as fait pour arriver jusqu'ici? Comment es-tu arrivé jusqu'ici, mon garçon? Je suis appuyé sur un mur et je suis tombé dans le noir. Et j'ai marché, marché, marché. Comment ça, Tanguy? Tu n'as pas refermé le passage secret? Ah, bien sûr que si. Quel passage secret? Non, non, pas le passage secret. Le passage de couette. Et non, le bracelet de couette. Non, le brassage de craie. Oui, de cette poussière partout, c'est parce qu'on casse de la craie tout le temps. Arrêtez de cracher des sprays. Et alors comme ça, t'as oublié de refermer le crachat de spray? Bien sûr que non. Nous en parlerons plus tard, hein? Alors, on en parlera plus tard. Alors comme ça, tu m'es proposé avec ta princesse? Le revoir, ta princesse? Non, 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 non. Je veux toujours rester avec elle. C'est ma camarade. Viens, ne braille pas comme ça. Tu nous casses les oreilles. Non, 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 non. Je casse pas les oreilles. Faut pas l'attraper comme ça. Les petits. Je suis pas petit, je suis grand. Non, excuse-moi, mais tu es petit. Il dort, hein. Elle ne faut pas la vie, c'est méchant.
aussi, il a une clé. Oui, mais pas loin, oui. Il a dit une bête. Il a dit une bête. Oh, la bête rend aussi une clé. Eh, ça alors, ils en ont tous une. Eh ben, heureusement qu'ils étaient pas 12. Hein. Ah bah ouais, parce que ça leur aurait coûté cher en double, hein. De clé, quoi. Il est tarte. Ah bon? Vous me trouvez tarte? Juste un peu chou à la graine. Ouais. Non, vous me trouvez tarte, je le sais bien. Mais c'est à cause de mes pilules anti-poudre à Rigolette. Et d'ailleurs, vous devriez en prendre aussi avant de descendre. On va devenir aussi tarte que toi? C'est normal, pour rien trouver drôle, il faut être tarte. Ou super blasé, hein, comme Tanguy. Hein. Tant pis, un peu tarte, on ne se sentira pas gêné. Ouais, même pas gêné. Alors, il paraît que... Vos pères ont été renversés, les militaires ont pris le pouvoir. On est tous les trois déchus, battus, des moins que rien. Je ne suis plus prince. Il bouge. Bon, je me sens pas tellement changé, voilà. Moi non plus. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Pipi, moi je vais faire pipi. Oh, t'es tarte, hein? Ouais. Je vais convoquer le peuple et lui faire mes adieux. Et ben voilà. Ouais. Ah, bah, le peuple. Allez, ouais. le peuple. Allez, viens ici, le peuple. Allez, viens ici, le peuple. Viens ici, prochain. Le peuple. Oh, le peuple. Là, prochain.
La régie, c'est là où le régisseur ou la régisseuse, peut-être même, envoie la lumière, la musique, les micros, tout ça. À la mise en scène, c'était Philippe Manette. Vous avez qu'à nous envoyer des gens.